On voit que tu vas à la salle de sport maintenant. Pop, 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 pop. Voilà. C'est ça quand on a une team. On dépanne les copains. C'est reparti. Allez, on est parti pour découper ce truc. Regardons ça. Ça va et toi? Ouais, t'es en train de filmer là? Non. Ça y est, elle est en place. Ouais, petit pote. On a ouvert le capot. Pardon, monsieur. Donc les voilà, les fameuses jantes. On va faire un petit côté moderne, sportif. Et tu vois l'assiette de la caisse maintenant. Avant, le nez était en l'air. Et là, elle est légèrement plongeante. Donc là, pas tout remonté, hein, bien évidemment. Manquer un peu de temps, donc il reste le carbu, le faisceau, l'admission bien évidemment, et puis va pouvoir démarrer. Et tu vois, cette couleur, elle est vraiment belle, hein, vraiment sympa, avec les pneus sportifs, les amortisseurs tout refait, le bichromatage. Et là, elle a trouvé sa petite place sur le stand Flexeo. Bon, il n'y a pas de durée de silicone dessus, hein. C'est des manchons d'air. Mais elle est là quand même. Yeah.
On va aller se faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'on trouve là sur cette bourse. C'est un salon bourse, c'est un hall où c'est les pièces détachées et un autre où c'est les expos. Et dehors, t'as au moins 1000 voitures de clubs, de gens qui viennent comme ça se promener. En plus, il fait beau aujourd'hui. Donc c'est sympa. Allez, on va aller par là. Ah, des vieux pneus. Tu veux des pneus de 20 ans qui sont bien durs et qui tiennent pas la route? Bah c'est ici. La taille du bus, t'as intérêt à avoir le garage qui va avec. Et t'as vu? Le volant il est là. Ça va avoir un renvoi pour la direction. Impressionnant. Une belle petite Excalibur. 103 T16. On va pomper un peu les idées. Hein. 6512 bidalo. Avec les copes là. Ça c'est un boîtier d'allumage qui a été coupé. Pour rajouter ici. Si c'est beau ça. C'est magnifique. Ça aussi. Regarde-moi cette Ford, du même bleu que la Panhard. Ça serait pas un petit peu des copieurs les mecs là? Ah ça c'est une Jaguar type... Quel type déjà? Type... Ah bah il y en a une quand même, une petite Panhard. C'est quoi ça? C'est une Dina. Un peu plus vieux que la Panhard, ouais, 57. Elle est belle, hein. Petite 404 coupée. Ça aussi c'est joli. Jurassic Park. Ça, c'est magnifique. Été jusqu'à peindre des ailettes du ventilo. Pareil, Harlequin. Même les jeunes, ils prennent des photos d'une vieille voiture. C'est beau. Oh là là. Elle est neuve, la Durite. Ouais, mais ça remonte trop. On voit non, pas non, j'avais pas fait exprès. J'avais fait si, si, t'as fait exprès, voilà. Neuf. Ça y est, c'est la fin, tout le monde remballe. Donc moi je vais remballer la voiture aussi, je l'appelle sur le plateau. Et puis on va se rentrer, hein. Un petit peu de route quand même. Bon, je pense arriver de nuit. Et on déchargera demain, je vais jeter la voiture avec le plateau à la maison. Bon, en tout cas, c'est bien, elle a bien plu. Elle a bien fait parler avec ses jantes. C'est ce que je cherche à faire. Que ça plaise ou que ça plaise pas, au moins elle est différente. On voit que c'est la mienne. Bon allez, à dimanche prochain tout le monde. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Mais tu vois tous ces trucs là? Au revoir. Le con.